L'expérience de Schmidt et Gordon est une expérience réalisée en 1977 dans laquelle les deux psychologues tentent de montrer les avantages et inconvénients de l'anticipation. Ils ont ainsi demandé à des sujets de lever leur bras gauche ou droit conformément au signal lumineux qui leur apparaissait. La première séquence est aléatoire, donc impossible de prédire dans laquelle direction sera le signal, gauche ou droite. La seconde est dite continue. C'est en effet une alternance de signaux gauche et droite. Puis, au bout d'un moment, une erreur a été volontairement ajoutée à cette séquence. Les résultats montrent qu'une bonne anticipation permet un meilleur temps de réaction, ici amélioré de 83 millisecondes dans la séquence 2, par rapport au temps moyen sans anticipation, 235 millisecondes dans la séquence 1, alors qu'une mauvaise anticipation pénalise le temps de réaction ici de 41 millisecondes. Nous allons donc maintenant voir l'application dans les sports de combat. Lors des combats, l'objectif de chacun est de surprendre son adversaire et, dans notre cas, la fixation sera le meilleur des atouts, comme l'éprouve l'expérience de Schmidt et Gordon. Si l'on s'intéresse au défenseur, s'il réalise une bonne anticipation, son temps de réaction sera moindre et ainsi sa parade plus efficace. Dans le cas où il n'anticipe pas, son temps de réaction sera tout de même inférieur que dans le cas d'une mauvaise anticipation. Or, il peut se produire deux types de mauvaises anticipations. Il y a la mauvaise anticipation où le geste n'a pas été initié. Dans ce cas, seul le temps de réaction est pénalisé, il augmente. Il existe également la mauvaise anticipation où le geste n'a pas été inhibé. Dans ce cas-là, le sujet perdra en plus du temps de réaction, du temps à freiner son geste, faux, qui n'est pas adapté à la situation. De plus, la distance nécessaire pour atteindre la cible sera augmentée. Cela résulte d'une augmentation du temps de mouvement et durant cette augmentation, l'attaquant aura le champ libre pour concrétiser une excellente occasion de mettre à mal son adversaire. Cette loi s'intéresse au temps de réaction. Ce dernier correspond au temps qui sépare le stimulus du début de la réponse, donc de la mise en action. Elle stipule que le temps de réaction est égal à A plus B fois logarithme 2 de N, avec A qui est le temps de réaction simple, environ 150-170 millisecondes, B qui est un coefficient dépendant de l'attention, logarithme 2 qui signifie que soit l'événement va se produire, soit il ne se produira pas, et enfin N qui correspond au nombre de stimulus-réponses possibles. Autrement dit, cette loi nous montre que plus le nombre de stimulus-réponses, donc d'alternatives possibles, va augmenter, plus le temps de réaction va avoir tendance à augmenter. Appliqué à la réalité, cette loi montre que si l'on ajoute un stimulus-réponse à une liste proposant un faible choix de stimulus-réponse justement, le temps de réaction va fortement augmenter. A contrario, si on ajoute un stimulus-réponse à une liste proposant déjà beaucoup de choix, le temps de réaction va faiblement augmenter. Confère le schéma. Voyons maintenant l'application de cette loi au sport de combat. Dans les sports de combat, le but est de créer un maximum d'incertitudes. Plus un joueur créera de l'incertitude dans son jeu et plus le temps de réaction de son adversaire augmentera. Ainsi, il sera avantageux de varier ses coups le plus souvent possible afin de laisser penser à l'adversaire que de très nombreuses options de jeu sont possibles. On pourra aussi chercher à cacher son geste le plus longtemps possible afin de priver l'adversaire d'indices lui permettant de réduire ses incertitudes. Pour un mouvement donné, il pourra aussi chercher à l'initier de différentes façons. Enfin, certains entraîneurs prônent également la production d'un grand nombre de gestes équivoques, c'est-à-dire les feintes, pour augmenter le temps de réaction de ses adversaires. En revanche, si un geste ou une tactique devient stéréotypé au cours d'un match, on obtiendra exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que le temps de réaction risque de se réduire et les chances qu'il effectue un contre deviendront plus élevées. Le conditionnement opérant, aussi appelé conditionnement instrumental, apprentissage skinnerien ou conditionnement de type 2, est un concept du behaviorisme initié par Edward Thorndike et développé par Skinner au milieu du XXe siècle.
Cette théorie s'intéresse à un processus d'apprentissage dont résulte une action et tient compte des conséquences de cette dernière, rendant plus ou moins probable la reproduction du dit comportement. Cet apprentissage skinnerien repose sur deux éléments, le renforcement et la punition, pouvant chacun être soit positif, soit négatif. Ces termes doivent être pris dans le sens précis du conditionnement opérant. Le renforcement est une conséquence d'un comportement qui rend plus probable que le comportement soit reproduit de nouveau, et la punition est une conséquence d'un comportement qui rend moins probable que le comportement soit reproduit de nouveau. Un renforcement ou une punition peut être soit positif, donc par l'ajout d'un stimulus agissant sur l'organisme, soit négatif, par le retrait d'un stimulus agissant sur l'organisme. Ainsi, il existe quatre types de conditionnement opérant. Le renforcement positif, qui est une procédure par laquelle la probabilité de fréquence d'apparition d'un comportement tend à augmenter à la suite de l'ajout d'un stimulus agréable à la réponse, par exemple ajout d'une récompense ou de félicitations. Le renforcement négatif, qui est une procédure par laquelle la probabilité de fréquence d'apparition d'un comportement tend à augmenter à la suite du retrait d'un stimulus désagréable, par exemple le retrait d'une obligation ou d'une douleur. La punition positive est une procédure par laquelle la probabilité de fréquence d'apparition d'un comportement tend à diminuer à la suite de l'ajout d'un stimulus désagréable ou d'une conséquence désagréable au comportement cible, par exemple ajout d'une obligation ou d'une douleur. Enfin, la punition négative est une procédure par laquelle la probabilité de fréquence d'apparition d'un comportement tend à diminuer à la suite du retrait d'un stimulus agréable, par exemple le retrait d'un privilège ou d'un droit. Dans les sports de combat, seuls trois de ces conditionnements vont être appliqués. Le premier, qui est le renforcement positif, va intervenir lorsque l'un des deux combattants va remporter un combat ou bien lorsque l'enchaînement feinte-coup gagnant sera réussi et aura déstabilisé son adversaire. Le second, le renforcement négatif, va intervenir lorsque l'un des deux combattants va réussir une bonne parade ou une bonne esquive qui va ainsi empêcher son adversaire de lui porter un coup ou une prise susceptible de le déstabiliser. Enfin, le troisième conditionnement sera la punition positive, et celle-là va intervenir lorsque l'un des deux combattants va faire une erreur de garde ou d'esquive et se verra sanctionné par la réception d'un coup ou d'une prise. L'inhibition est un processus interne qui est supposé empêcher ou freiner l'apparition d'une réponse. De ce fait, pour se développer dans leur apprentissage, les sujets vont ainsi devoir inhiber certains mécanismes moteurs dans le but de ne garder que ceux qui sont les plus efficients. Ainsi, comme l'a souligné Alain Berthoz dans ses analyses, la décision nécessite également de supprimer de manière sélective les solutions qui ne sont pas en adéquation avec le but, le contexte et l'expérience passée. Cela signifie donc que de par le répertoire d'actions constitué à la fois par le bagage génétique des sujets et par les apprentissages acquis au cours de leur vie, ils vont sans cesse, en déclenchant une action, en inhiber beaucoup d'autres. Pour terminer, répondre à un stimulus correspond donc à faire un choix entre une action et son contraire. L'application au sport de combat. Durant un combat, chaque joueur possède son propre style, tactique, panel technique. Ainsi, on doit constamment s'adapter à son adversaire. Pour cela, les premières minutes du combat sont souvent déterminantes afin de pouvoir s'adapter au jeu et à la technique de son adversaire pour le reste du match. De ce fait, on va commencer à inhiber les mécanismes moteurs qui sont les réponses à des stimuli qui pourraient être susceptibles d'entraîner de mauvaises réactions comme par exemple se faire piger sur une feinte de prise, de coup, ou bien d'anticiper un coup, une prise de mauvais côté, au mauvais moment. Ce phénomène est appelé la stratégie d'inhibition. Ainsi, pour que cette stratégie soit la plus efficace possible, il va donc falloir inhiber certains mécanismes moteurs inadaptés à la situation présente, mais également se servir de sa mémoire visuelle pour se souvenir des précédents coups de son adversaire pour éviter de se faire piéger sur une feinte ou une anticipation.